Bonjour, je suis Nicolas, j'ai 46 ans. Je suis propriétaire du magasin boutique La Villeneuve d'Ornon à Bordeaux Métropole. J'ai ouvert le magasin il y a 2 ans, en avril 2019. Je suis pas du tout issu du monde du vélo, mais un vrai passionné de vélo. C'est pour moi un art de vivre au quotidien. Je dis toujours en rigolant que l'open space m'a tué, je travaillais dans le monde des assurances et ça a été pour moi une vraie révélation d'ouvrir un magasin de vélo et un vrai changement de vie. Le choix de Bouticycle pour moi il est venu très naturellement. C'était de trouver un partenaire qui m'a permis de m'accompagner, ne venant pas du monde du vélo, dans la mise en place du magasin et dans la relation avec tous les fournisseurs pour le démarrage. De plus, l'enseigne Bouticycle propose une palette de services qui est complète pour un client. Que ce soit du financement à l'étude posturale, tous les aspects du vélo sont abordés. Quand un client sort du magasin, il a une réponse à n'importe laquelle de ses questions. Et on a une gamme qui est très large au niveau de l'offre. On peut proposer un vélo ultra sportif, un VTT pour le loisir, un vélo pour aller travailler. On est capable de répondre à toutes les demandes de nos clients. Le quotidien du magasin, il est vraiment différent d'un jour à l'autre. C'est bien sûr la gestion classique de la partie approvisionnement, du management des équipes, de la comptabilité, la partie financière, mais c'est aussi surtout la convivialité qu'on peut avoir avec nos clients, que ce soit pour le choix d'un vélo à assistance électrique pour aller au travail, que ce soit aussi de proposer à un client un rendez-vous pour aller rouler ensemble sur un vélo de route, un VTT, et de partager un moment de convivialité avec un client pour le choix de son vélo lors d'un essai. Et c'est vraiment un aspect que je n'avais pas du tout connu dans mes autres expériences professionnelles. Il faut être motivé, oser, c'est très exaltant de lancer son propre magasin. L'enseigne est là aussi pour nous aider dans les moments un petit peu plus compliqués. Et en plus, on a un marché qui est très porteur avec le vélo. C'est demain le mode de déplacement qui sera privilégié par un grand nombre de personnes. Donc n'hésitez pas, je vous encourage à vous lancer dans cette aventure.